Bilan opération Tonal 1, vite l'homme mêlé, vite l'homme prend un site. La police frappe pied à terre bien fort journée jeudi 15 février 2023. Trois bandits valent le bavio, trois bandits saillo, yo mouri. Bonsoir tout le monde, internet, comment nous y est? C'est toujours un plaisir pour que nous capables d'informer. Pas oublier que moi même en pile, même pour prouver que vous même, c'est abonné à la chaîne ça. Partagez et commentez. Amis, comme nous toujours disons, pas oublier, mon cap informé là, c'est Dieu. Opération Tonade, hein? La police, il y a fait un travail sérieux dans l'environnement, qui a fait un travail sérieux dans le pays, hein? Qui va gagner dormi ni la journée ni la nuit. Et surtout avec question kidnapping, question problème que les différents kidnappeurs eux-mêmes ont appelé. Et bien, la police nationale d'Haïti, les gens travaillent extraordinaire. Si traquement dit, grand volet, eh bien, moun ka fait kade jak sous différents moun et grand moun, eh bien, kapap di nou, la police, depuis le mois de janvier, et un jour, nous kapap di nou, travail extraordinaire que lui-même n'y a fait. Mais, imaginez que, à chaque fois que yon bandit, appelé, simé la troublaille, en dans population, et bien la police lui-même est toujours là, qui est capable de porter secours avec vous-même. Et c'est ça que fait, lorsque nous prenons opération que la police nationale lui-même l'a menée, et bien nous gagnons Gary Desrosiers en tant que porte-parole de la police, et bien c'est lui-même qui va le faire nous. Et lui-même nous va l'attendre à travers différents langages, dans une conférence, nous va l'attendre comment ça dit. Côté que nous allons parler de bilan partiel du 1er janvier 2023 à date. Et nous allons parler des recommandations pour que ce soit fait. Et ensemble d'arrestations que DCJ et René pendant le période là. Parallèlement, nous avons inclus pour avancer qui fait dans le cadre d'opération et ton 1 qui a été lancé par le commandant en chef de la police nationale d'Haïti. Au niveau de l'inspection générale, recommandation faite à l'inspection générale là pour sanctionner policiers motifs de son chef le 30 octobre 2022 avec ma 33. Peut-être que nous avons perdu un jeune journaliste, qui s'est nommé son médecin, pendant qu'il était venu dans notre travail. Déjà, nous avons pris des correspondances qui ont joué anti-dépression, à savoir CML, AMI, ANMH et HGH, pour être informé du premier avancement et une deuxième correspondance qui a joué après. Sanctions appliquées et n'a dit que, comme le chef a déjà approuvé, c'est pour ce qu'on a essentiellement activité pour adjoindre l'entité de presse AO et l'autre qui est en coopération de presse. Au niveau habitation de l'air, nous connaissons dans sa vie du 12 octobre 2022, côté que l'inspection de la recommandation pour sanctionner 7 policiers. Et pour le CKNAAN qui était passé le 12 novembre 2022, l'inspection générale a fait recommandation pour sanctionner 5 policiers. Brigade police des mineurs qui sont cités au niveau des CBJ, procédé à l'arrestation de Johnny François, 37 ans, pour agression sexuelle sur mineurs, sur 2 mineurs, une 11 ans et une 15 ans. Olinel Thierry, 32 ans, pour viol suivi de grossesse sur mineurs de 14 ans. Des CBJ a recherché pour viol sur mineur, Jonathan Jules, qui lui-même violé au mineur de 15 ans. Direction centrale de la police judiciaire a recherché encore pour viol sur une grossesse, Joseph Louture, qui continue à prélever Joe Pétionville. Pour
Seigneur de 16 ans seulement. Toujours au niveau de la direction centrale de la judiciaire, et c'est lui arrêté pour implication présumée dans la mort à l'ennemi, Roussam Télémac, qui était passé malheureusement le 13 mars 2022, Roumé Saint-Louis, qui est arrêté dans le cadre de César, Guérin Roumé Aristide Tout, qui est arrêté pour implication présumée dans la mort policier Wilson présumé. Ça a été passé au bon repos le 17 novembre 2022. Mais c'est deux qui ont arrêté dans le cadre de César, c'est Romain Aristide et Jean-Vendy Alexandre. Kervens Jean-Simon, Wilkins, lui, arrêté pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait malheureusement sous sénateur Yvon Brisquet. Et on a un plaisir, c'est deux à la Cour 12, ça a dépassé le 6 août 2022. Et c'est lui qui est transféré. Dans le parquet, Francky Charles, pour implication présumée dans la mort, commissaire, titulaire, directeur Académie nationale de police, Arrington Rico, le 20, ça a été passé le 25 novembre 2022. Il est celui qui est arrêté le 7 et le 9 décembre 2022, ce passé-là, Emmanuel Louis et Léradieu Foustin, pour implication présumée dans la mort, assassinat. Président Jovenel Moïse, également pour tentative d'assassinat sous première dame républicaine, Martine Moïse. DCDJ transféré. Dadi Sébastien Ignace qui continue le Babas. Patrick Dublin. Sheila Pierre pour implication résumée dans un assassinat. Johnny Lamartinière arrêté pour implication présumée dans un assassinat et tentative d'assassinat. Enlèvement de séquestration, contrevention, trafic d'armes et munitions, vol avec armée, Guindou Nelson Gentil, qui a arrêté pour implication et sa découverte avec Gang Krasé Barrière, et Jean-Paul aujourd'hui, Bernardo Born, Mackinson Minos, Jameson lui, viol avec armée, pour vol avec armée, trafic de munitions. DCPJ doit arrêter Marjorie Rousse le 17 janvier 2023 à Place Saint-Anne pour implication Yenouetou avec Gang 5 secondes. Le 5 janvier 2022, commissariat Jacques Mel transféré dans la direction centrale de la police judiciaire William Douillon Edison samedi pour implication et dans le vol véhicule, vol avec armée. Côté qu'il y a plusieurs citoyens victimes de l'eau et Angelo Jean-Baptiste pour vol en armée et il y a pour tout, il associe tout avec le groupe Genève. Et j'en ai dit tout à l'heure, et côté que tout sur braqué sous opération Tornade 1 qui était lancée le 27 janvier 2023 qui visait d'abord. Et tout l'autre de équipement sur le bas n'est pas difficile pour les VVA, mais pour ce qui est gilet, taxi sur les lampes pour vivre tout le cabaret. L'équipe de radio du gilet tactique, de casse tactique et nous avons parlé de félicitations. C'est notre souci pour que nous sommes capables d'informer la population de ensemble uniforme PNH. Si probablement il y a d'autres uniformes qui vont changer, pas faire bien maintenant. Mais je dis, c'est un nouveau équipement BLV. Et la côté que BLV sont entités qui entendent la direction centrale de la police judiciaire de CBJ. Merci. La question maintenant? Oui, DG, la demande qui ça va faire pour Mounsavien, la Tibonite. Qui ça la police côté faire pour Mounsavien dans la Tibonite? Alors, porte-parole.
Bonsoir, PPC, Hervé Noël, mon travail pour la tournée de l'Iskien. Est-ce que la police a une notification sur les policiers ont arrêté chez le passé qui ont rapport avec le gang? Quand ça va aux zones, vous allez connaître effectivement et dossier ça, c'est le qui est volé. Mais quelle situation? Il y a un coup. J'en sortais de là, madame, monsieur. Ça, c'est bilan opération Tonal 1 que porte-parole la police là, eh bien, lui-même, il t'a baillé. Nous tendez comment il y a une arrestation qui fait. Et ensuite, nous avons un transfert qui fait. Nous avons un différent viol qui fait. Et bien, tout ça, yo, la police montre que lui-même a fait un travail sérieux dans la population pour capable aider la population à vivre d'une façon meilleure pour capable vivre libre et libre. Toujours dossier la police, madame, monsieur. Jeudi, qui c'est 15 février 2023, eh bien, la police te pile pile bien fort dans son tabac. Côté que y a trois présumés bandits qui te trouvé dans zone ça, qui te voulait simer la troublaille. Eh bien, la police lui-même, livré à temps que capable, monsieur Sayo, au lieu pour t'aider dans simer la troublaille, eh bien, la police c'est lui-même qui mettait dans mes bandits. Eh bien, bandit ça yo, eh bien, on te gagne, la police saisit deux pistolets de 9 mm. Eh bien, la police lui-même, tout ça, nous montre, c'est jusqu'à présent la première, un travail qui est sérieux. Madame, monsieur, pas une autre institution qui a travaillé. Tant que la police lui-même n'y a pas travaillé là. Comme une institution qui est légale. Ça veut dire que, yon bandit qui t'a trouvé que, li mette le cadre côté que, double population, et que la police lui-même, l'a toujours été disponible, et travaille contre bandit sa yon, ou la population, yon service qui est créable. C'est toujours comme ça. Dieu est toujours là pour l'informer. Après le fin d'informer, pas oublier. Qui ont travail pour faire. La pour abonner, la pour partager et puis commenter. Toujours qui ont une petite place pour commenter sur le travail que nous-mêmes faisons.